On est mardi. Hier c'était une journée sport. J'ai fait un peu du nettoyage d'affaires et tout. Après on a été en fin de journée, on a été à la piscine, on a fait deux magasins. Et voilà, petite journée tranquille, ouais, tranquille. Et puis aujourd'hui on va partir. On va rouler cet après-midi et là on va aller faire un petit tour ce matin. Vous allez voir. Au-dessus le kawa, enfin, juste au-dessus le kawa, il y a Suzuki, on la voit pas, on la voit pas. Et en bas, tu vois, il y a un contrebas là-bas. Ok. Et ouais, quand tu vois la Troili, tu vois, ça a l'air de pas faire des gros enchaînements. C'est bizarre comment la Troili, parce que tout écarté. Avant, elle était pas comme ça, elle était hyper serrée, hyper cassante. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire à chaud? C'était cool? Bah, franchement, c'était le feu. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce qu'ils savent pas, les gens. Là. On est arrivé où et. Du coup on est à la piste YAM de Supercross. Il y avait tous les bons pilotes qui étaient là, il y avait même le petit Digan qui était là. Donc franchement c'était cool à regarder rouler. Il y a David qui m'a fait rentrer sur la piste, Dévé qui m'a fait rentrer sur la piste pour aller voir Dylan rouler. Donc, en parlant de ça, j'aimerais remercier Dylan qui nous a invités aujourd'hui à le regarder rouler. David Villemain qui m'a permis d'aller sur la piste. Franchement, c'était super cool. J'aimerais vraiment beaucoup le remercier. Ils sont super sympas et ils ont été super accueillants avec nous. Donc, merci à vous. Franchement, ce séjour aux US, là, je pense que. Que d'émotion. Je peux pas, ouais. Trop d'émotion là. J'ai vu Thomas rouler, j'ai vu Thomas dans les whoops, j'ai vu Craig dans les whoops. Il y avait tous les pilotes, ouais, c'est quelque chose. If I could slow it down, cause it's coming too fast for me.
Baby, don't try, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money. Pop quick, never cared about being your top 10. Got a house in the hills, can you top this? I came from where them boys leave topless. It be crazy right here in my section. All of my moms get to step in. I had prayed for these blessings. Took my L's and want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. I came up from the bottom, now look at me now, they mad at me. How can I slow it down, cause it's coming too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Bonsoir. Tu peux dire bonsoir? Ben bonsoir. Bienvenue dans l'épisode numéro 9. Oui, numéro 9. 9. Ouais, numéro 9. Du coup, fin de journée à State Fair. On a fait un petit warm-up et puis après, on a travaillé un peu l'intensité. Et écoutez, ça s'est bien passé. Un roulage qui était bien. Je pense que peut-être des petites choses à peaufiner, mais juste pas grand chose. La piste était top, c'était sympa à rouler, des grosses ornières, c'était sec parce qu'on est arrivé en fin de journée. Et voilà. T'es tout seul en plus? Ouais, au début en fait on était, je sais pas, 4-5. Et après, au final, j'étais tout seul, donc la piste privatisée, c'était impeccable, juste pour nous, pouvoir faire le programme tranquillement sans être gêné par d'autres mecs ou des mecs qui cassent la piste. Donc non, franchement, c'était une bonne journée et voilà.